Et salut à tous, chers aventuriers, comment ça va ce soir? Salut, salut! Hello! Très bien. Salutations! Alors ouais, on refait la petite intro parce que on a enregistré une petite vidéo juste avant. On a eu un Ouais. petit problème technique, Ouais, rien de bien méchant. J'espère que ça sera ça bon se pour celle-ci, reproduira que ça se reproduira pas exactement. En attendant, il s'est pas passé énormément de choses, donc je vais vous faire le petit résumé rapidement. En gros, les aventuriers ont continué de discuter autour du feu avec Milos. Ils ont demandé des renseignements sur les différentes quêtes qu'ils pouvaient accomplir pour récupérer assez, on va dire, de renommée vis-à-vis des clans Shuanti. Mais le chat, si tu veux participer, tu me le dis. Mais... Et ensuite, le lendemain matin, ils ont eu de nouveau cette fameuse sphère d'observation qui les observait. Ils l'ont une nouvelle fois dissipée et quelques minutes après, une voix est apparue dans la tête d'Elerina. La voix de Laorivos, l'elfette qui avait aidé les aventuriers pour récupérer Salvatore Hurlement il y a quelques longs épisodes maintenant. Et voilà, et c'est tout. Et en gros, ils se sont parlé, elle s'est excusée de les avoir observés et... Elle leur a demandé si ça les dérangeait qu'elle continue de les observer, et ils lui ont dit que oui, et donc elle le fera plus ou moins en tout cas. Voilà, en gros, c'est à peu près sous ça. la condition qu'elle nous prévienne avant. Voilà, c'est ça, Voilà. c'était ça. Si elle les prévient avant, a priori, il n'y a pas de problème pour qu'elle puisse les observer. Voilà. Par contre, les aventuriers n'ont eu aucune raison, on va dire, si ce n'est qu'elle était curieuse. Et au niveau de la discussion avec Milos, on était plus parti sur le choix de De l'acropole, l'Acropole, tout à finalement. fait. Tout à fait, le choix de la quête de l'Acropole pour récupérer la marque du gardien des esclaves. Voilà. Enfin, des gardiens des esclaves. Très bien. Ouais. La nuit est passée La nuit est et... passée, on est le matin sur les coups de 10 heures à peu près. Hein, Alors comment ça se passe pour partir à l'acropole? On part directement? Ils devaient nous envoyer des guerriers pour nous aider aussi. On doit comment on s'organise? Il faut. Rejoignons Milos, il va nous expliquer, peut-être qu'il a déjà préparé l'équipe. Bah, très bien. Tout le monde est debout? On y va? Tout le monde était debout quand vous étiez tous côte à côte quand Laori a parlé à Elerina. Eh bien, ne perdons pas de temps, allons voir Milos. Vous allez du coup à la tente de Milos, Milos qui en ressort accompagné de trois guerriers et qui a l'air un petit peu surpris de vous voir et qui dit et fait, ah, j'allais vous voir justement. J'ai pas l'intention de vous envoyer dans les terres cendres seul et sans armes adéquates. Vous doutez bien. Il fait un petit geste de la main et en s'écartant, il vous présente trois jeunes hommes que vous reconnaissez. Vous les avez rencontrés plus tôt la veille lors de vos entraînements et compagnie et de vos discussions. Il dit je vous présente Ahalak, Argev et Nalmid. Ils seront vos guides et vos témoins. Ils vous conduiront où vous le souhaitez afin d'accomplir votre destinée. Hardiv, le dernier. Nalmid, Argev et Ahalak. Te noter ces noms, si tu veux là. Ouais, c'est plus simple. Ils ont des signes particuliers qu'on puisse les reconnaître. C'est des grands guerriers, les trois. C'est des clones, tous les mêmes. Ils font pas exactement la même taille. Je pense que ça devrait te suffire. Ils sont. C'est pas les Dalton, mais pas loin, quoi, on va dire. Bien, ça marche pas ce copier-coller là. Okay. Voilà. Merci. C'est tout bon la vidéo, Erwaldo? C'est bon, ça enregistre. Bon, les guerriers s'avancent et vous serrent la main, enfin vous tendent la main en tout cas.
Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Bonjour, bonjour. On est ravi de pouvoir vous aider. C'est pas tous les jours que des Tchamek s'intéressent à notre culture, et Milos nous a dit de prendre soin de vous. C'est la première fois que vous allez à l'Acropole ? Oui, tout à fait. On sait où c'est, cela dit, ne vous inquiétez pas. Est-ce que des choses à prévoir pour peut-être pour le chemin, pour... Des provisions, oui, mais ouais. Vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut. D'accord. Et nous savons où se trouvent les oasis. Ok. Donc pour ce qui est de l'eau, en tout cas, nous n'aurons pas de problème. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce qui nous manquera, ça vous évitera de prévoir pour tout le monde. Mais si vous avez de quoi vous restaurer, si vous avez des préférences, puisque nous avons nos rations, mais je sais pas si vous apprécierez de manger nos rations pendant quelques jours. Bon, écoutez, pas... Petite question, Milos. Est-ce que vous avez un équivalent de l'eau bénite contre les morts vivants? Évidemment. Est-ce que vous pourriez me remplir ces quelques fioles? J'avais acheté quelques fioles avant qui devaient être vides maintenant. Ah non, non. Ah non, mais je faisais une boutade. Non, parce que nous, l'eau bénite, on n'en a pas, mais pour tuer les morts vivants, on a les bonhommes, là. Ah, ok, ça marche. Ok. Eh, ils s'appellent pas les tueurs d'os pour rien. Effectivement, vu comme ça. Je check dans mon inventaire, quand même. S'il me restait quelque chose, je crois qu'il m'en reste. Et il te regarde, quand même, et il dit « Cela dit, j'ai quelques petites choses pour vous. » Il repasse dans sa tente et on ressort un sac. Ah, je commence à désespérer. J'ai cru qu'il allait m'oublier. Parce que moi, je ne vais pas tenir longtemps. Hein. Il m'avait promis que ce matin, après la cérémonie, j'aurais de la boisson. Vous pouvez picoler. Parce que j'ai tenu toute la nuit. Et en plus, je dois boire dans un oasis pendant 3 jours. Alors, je suis désolé. Je n'ai pas prévu la boisson dont nous parlions, mais cela dit, ne vous inquiétez pas, je peux aller la récupérer. Merci. Ça m'était complètement sorti de la tête, je suis désolé. Cela dit, j'ai ces quelques objets qui, je pense, vous seront utiles pour vos quêtes. Merci beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, en vous aidant, je m'aide moi-même. Donc s'il vous plaît, ne faites pas d'histoire et acceptez, hein. Je vois que vous nous avez mis des ongles, enfin des peintures de guerre. Qu'est-ce que ça a un effet réel? Bien sûr. Ok. Bien sûr, la peinture rouge augmente votre résistance au feu. Vous savez que dans le désert, il peut y avoir des tornades enflammées, ce genre de choses. Vous en aurez sûrement besoin. D'accord. Et la peinture argentée augmente juste votre comment dire, votre résistance, de manière générale. Ce sont des peintures magiques. Peintures de guerre tribale. Okay. Enchantées par mes soins. L'argentée, c'est pour la résistance, et la rouge, c'est... Pour le feu. Bon sens au feu. J'ai pris une potion de soin, moi. Ah oui, il y a des potions de swing. Je vais en prendre une aussi. J'imagine que je vais en prendre une aussi. Mais hop, je prends une de chaque. Pour les baguettes, Elirina, prenez-les. C'est votre c'est votre dada. Je prends les deux. Prenez une potion de soin aussi, si c'est pas déjà fait. Je prends la dernière, du coup. Bah bien sûr, allez-y. Tout à fait. Est-ce que je prends la deuxième peinture argentée? Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui va au corps à corps. Donc... Je sais pas si qui va au corps à corps maintenant. Ouais, j'y vais aussi, mais bon, j'ai plus de PEV. Vas-y, prends. Hein. Ouais, mais bon, Kaito, il est fufu, hein, donc c'est ça. Oui, à chaque fois, il a un dé de 5 et il a une chance sur 2 de pas être touché, je crois. Une chance sur 3, je sais plus. Bon, c'est fait.
Bon, puis les peintures rouges, bon. Enfin, Irina, elle n'a pas besoin d'être déjà cramée. Ah, mais du coup, moi, je suis noire, je suis pas rouge. Elle est pas mal. L'humour elfe. Eh bien, merci beaucoup. C'est Ishani ou c'est Milos? Non, Milos. Milos. Merci beaucoup. Ah oui, Ishani, c'est. Non. Ishani, voilà, je suis à l'ouest. Je pensais à Milos et à une vie. Une vie. Non, une vie n'est pas un mage. Il est notre chef, mais il ne possède pas de pouvoir magique. Et la connaissance, c'est déjà bien suffisant. Pas tout avoir non plus. Merci beaucoup. Beau. Très bien, très bien. Du coup, on. Bah écoutez, jeunes gens, on est prêts quand vous l'êtes. On prépare les montures et on est parti. Patientez juste 5 petites minutes que j'aille chercher le breuvage d'Iki. Profitez-en pour préparer vos montures. Non mais Iki, vous n'allez pas boire à cette heure-là, c'est pas... C'est alors qu'on va prendre la route avec le soleil. Non, c'est pour le voyage. Ouais, oui, enfin... Pour la nuit, c'est alors, pour oublier. Parce que... Non, je vais goûter quand même pour être sûr, mais... Non, il faut que je... Oh, faut arrêter de déconner avec ça. Trinia, vous êtes prête? Vous avez préparé votre baluchon? Oui, oui, moi, vous savez, toujours prête pour l'aventure, hein. Bah, franchement, je l'oublie tout le temps, la Trinia. Le fait qu'il n'y ait pas d'icône pour la... Ouais, il faudrait qu'elle mette un portrait d'elle en bas, à ouais, droite quelque de l'écran, part, ou ouais. Un truc... On sache qu'elle est là. Eh bien, ça va être une grosse aventure, donc préparez-vous. Oui, oui, ben, c'était pas, je suis prête. Alors, par contre, je vous avouerai que l'acropole m'enchante pas des masses, mais... Je sais pas pour combien de temps on en a, mais... Quoi, vous auriez préféré aller dans un verre? Ah non, non, moi, je vous ai dit hier... Moi, ça me plaisait bien d'aller voir Akram, là. Est-ce qu'on... est-ce que vous avez des montures ou on garde nos chevaux? Vous pouvez garder vos chevaux, mais... Ne vous inquiétez pas, nous... Nous voyagerons à pied, nous voyagerons bien assez vite. Très bien. Très bien, très bien. De toute façon, vous n'allez pas aller au galop. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas pour nous. On les avait loués, mais je sens qu'on aurait peut-être mieux fait les acheter. Ah, ça fait combien? 3 jours, là? 4 jours? 3 jours. 3 jours, je vois que la distance est le double de ce qu'on a déjà fait là, voire plus. Plus du double, peut-être. Non, le double, on va dire. Un bon double, ouais. Sinon, on s'arrête à Kaermaga, on leur dit qu'on a perdu les chevaux, et puis on se casse. Ah, du coup, c'est plus le double, c'est presque le triple. Hein. Et puis, on payera. Hein. Oui. Ils nous appartiendront à la fin. S'ils sont pas morts. Ils sont pas morts, c'est vrai. Très bien. Milos revient... Erreur du vendeur, d'ailleurs, il a pas pris de garantie. Il faisait pas de garantie. Eh oui, bah c'est le gamin, hein, tu sais, c'est un novice. Hein. Est-ce que c'était une location, hein, avec acquisition? Après, vous avez signé un contrat, quand même. Ouais, c'est Iki, ça, c'est bon. Vous avez signé un contrat dans la ville, probablement la ville la plus marchande de Varizi, donc... Okay. Oui. Voilà. Après, moi, je dis ça. Ouais. Milos revient donc avec trois outres et il te l'étend et dit: voici notre breuvage fermenté, dirons-nous. Très bien, merci. Un mélange d'herbes macérées, c'est ce que nous avons le plus proche de l'alcool que vous pouvez consommer à Corvosa. Ne vous dérange pas si je trempe les lèvres. Avec modération, Iki, avec modération. Non, non, mais bien sûr, je vais tester. Je préfère demander, la cérémonie est terminée. Je goûte. Bah, ça a un petit goût de... Genre la...
pour faire un comparatif avec ce qu'on a en vrai, genre la verveine, tu vois. De Dieu. Mais pas la verveine en tisane, hein. La liqueur. Ouais. Ça picote, hein. Ouais. Et t'as donné trois autres. C'est hein. fort, c'est fort, c'est fort. Ouais, c'est fort. En plus, le goût, j'aime pas, mais je le remercie. Parce que ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Au pire, c'est on les donnera aux chevaux pour qu'ils repartent plus vite. C'est ce qu'il y a dedans qui compte. C'est merci. Pour vous tenir chaud pendant les nuits froides. Merci. J'ai de quoi faire en plus avec trois fioles, c'est nickel. Ah bah là, t'es bien. Merci beaucoup. Allez, bon vent. Et faites attention à vous surtout. Hein. Oui. Bon vent. Bonjour, Milos. Et donc, du coup, bah, vous partez à dos de cheval vers le nord-ouest, hein, du coup, pour le coup, là, plein nord-ouest. Hop, dans cette direction. Voilà, là, tout ça. Là. Ouais, ça marche plus, ça non plus. Ah, mais c'est normal. Voilà, là. Voilà, ça, hein, par là, hein, dans cette direction, par là. Et s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un. Policier, m'en fout. Il peut me lancer un dessin, s'il vous plaît. Et Aina. Notre lanceuse de dés officielle. Okay. Donc tout se passe très très bien cette première matinée. Vous voyez personne, vous voyez pas d'humains en tout cas. Vous voyez quelques créatures un petit peu au loin. Les gardes vous en éloignent assez rapidement. Effectivement, c'est par là où vous allez. Tout à fait. C'est dans cette direction. Vous arrivez, je sais pas, vers le midi, par là, pour faire la petite pause du midi. Vous arrivez au niveau d'un genre de squelette assez énorme. Qui doit faire, je sais pas, peut-être 10-15 mètres de long. Comme ça. Tu es humanoïde. Non. Créature. Okay. Style dragon, je dirais. D'accord. Gros lézard. Ouais, un gros truc, quoi. Ouais. Ok. Les guerriers se rapprochent de vous. Et disent c'est un bon endroit pour faire une pause, il est facile de planter les yourtes ici, pouvons faire une pause pour nous restaurer. D'accord. Très bien, on vous fait confiance. C'est vos terres. Alors là on arrive déjà, alors oui, j'ai oublié de vous préciser, on commence à arriver dans un territoire vachement plus sablonneux. On est dans de la bonne dune là, ça y est, hein, au fur et à mesure de la matinée, plus vous avez commencé à avancer vers le nord et plus on arrive dans de la dune sablonneuse. On va se faire un verre géant, je le sens. Au fait, c'est énorme. Enfin, vous croisez souvent des gargouilles dans le coin? On a creusé 3 ou 4. Ah oui, bien sûr. Bah, les gargouilles de cendre, on les appelle, elles sont nées du désert, on ne sait pas exactement qui les a animées, mais oui, c'est des créatures communes. D'accord, plutôt hostile. Ah, plutôt très hostile, oui. D'accord. Et en général, elles ne cherchent pas vraiment à savoir qui sont leurs ennemis ou qui sont leurs alliés, elles tapent quoi. Très bien, très bien, très bien. Vous les tuez essentiellement avec des flèches, pour vous ? C'est pour. Oui, bien sûr, avec des flèches, oui. Après, on commence à connaître un petit peu les bêtes, hein. On connaît leurs patterns, dès qu'elles commencent à faire un piqué vers nous, on sort nos hachettes et on essaye de leur couper les ailes au passage. C'est une technique un peu plus risquée, mais... Ouais, efficace. Ouais, non, mais
Je vois, je vois. Très bon plan. Merci pour l'astuce. Donc, sacré bestiaux là. Ouais, vous voyez que le squelette, il est donc il a sa cage thoracique qui remonte un peu et c'est pour ça qu'ils ont dit que c'était un bon endroit parce que du coup on peut facilement tendre la toile. La toile et s'y abriter. Ouais. Vous voyez qu'on peut même passer dessous. Oh, c'est beau. Waouh. Papa. Oh, l'immersion, là on y est. On s'y croirait là. Hein. Oh là là, la toile de tente qui devient transparent quand t'es dessous. C'est incroyable. Allez, j'ai deux stealths. Bref, ils ont fait un excellent travail hein, pour la toile de tente. Vous êtes bien au calme, bien au. Alors, on va pas dire au frais non plus, mais. Un brin d'ombre, ça fait du bien. Ça va. Et j'entends du vent. Bon, pas de tempête de sable à l'horizon. Hein. Alors, fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Non, t'entends pas spécialement de vent ou de tempête qui pourrait arriver. Mais faites-moi tous un jeu de perception, s'il vous plaît. Ce sera de la perception un peu plus passive. C'est un jeu un petit peu plus dur, mais... Ouf. On a un 18 pour Iki. J'ai chien à la colle. On a un 24 pour Enzaru. Et un 18 pour Elerina. Non, aucun de vous n'entend de tempête ou de bruit un petit peu suspect. Je vais quand même lancer un jet pour les guerriers. Ok, non. Pas de perception d'événements bizarroïdes. J'ai pas au loup. Ah, c'est vrai, Jésus, ouais, si tu veux. Hein. Ouais, on peut pas faire un test de perception pour les chevaux. En vrai, bah, je vais en faire un moi. C'est le gars qui... Non, mais sinon, le corbeau là-haut. Non, mais après, ils peuvent. Voilà. Est-ce qu'ils... Ça, ce soir, c'est terrible. Et ils réagissent à rien du tout, les chevaux là. Ils sont en mode j'ai les sabots qui brûlent, là, foutez-moi la paix. Est-ce que la buse qui est dans le fond du paysage là, elle se barre en volant? Tellement pas pratique, ils doivent s'enfoncer les pauvres dedans. Ouais, ça vaut. Ouais, c'est pas des chameaux. Hein. Très bien. Donc, du coup, vous sortez, enfin, en tout cas, les guerriers s'assoient dans la tente, enfin, dans le semblant de tente, et commencent à sortir leur. Leur ration et vous pose quelques questions sur la vie en ville ou de d'où vous venez, enfin au sud des falaises en tout cas. Yes. Comment ça se passe, c'est bien là où vous êtes? Oh, c'est très différent, c'est des villes de... Vous êtes déjà allé à Kaermaga? Non. C'est trop loin de notre territoire en général. Mmh. On n'y va pas. Ah, c'est des... Faut imaginer que les habitations sur Corvosa, c'est essentiellement quand même de la pierre, du torchis. C'est des plus gros, des plus grosses structures, bien plus grosses que des yurts. Et voilà, et du coup, entre ces habitations, c'est des ruelles pavées, imaginez des gros galets au sol qui servent à faire circuler les chariots, parce que sinon, si c'était de la terre, ça finirait par être de la gadoue, par être des gros trous, c'est histoire que tout le monde puisse circuler facilement. Est-ce que vous savez ce que c'est que la monnaie ?
Oui, bien sûr. Vous avez une monnaie d'échange? D'accord. Non, mais j'ai... Pour ma part, j'ai beaucoup voyagé en bateau et très peu en ville. Et certains peuples n'ont pas de monnaie, font encore du troc. Donc pour eux, c'est reste. Ils te montrent, ils ont des petites piécettes en argent. D'accord. Piécettes en bronze. Ça ressemble tout à fait à ce que vous avez vous. Eh bien, en ville, ça fonctionne comme ça. Celui qui a le plus de monnaie a généralement les plus belles maisons, les plus belles routes, les plus belles. C'est ça qui commande l'entièreté du. Et comment ils obtiennent cet argent? Avec des exploits, des. Ce sont de grands guerriers? Nous avons tous des métiers, nous sommes rémunérés pour notre métier, la plupart des gens. En fait, vu que il y a beaucoup de gens qui sont concentrés au même endroit, il y a des commerces, des services, comme des tavernes, des auberges, ce genre de choses, qui génèrent beaucoup de profits. À très grande échelle. Certains louent leurs services, certains vendent les savoirs ou les objets qu'ils arrivent à fabriquer. Mais après, par exemple, nous, effectivement, c'est un peu comme vous, c'est un peu nos hauts faits qui font qu'on a eu de l'argent en contrepartie pour avoir aidé la cité. Voilà. Ok. Ça a l'air compréhensible ou c'est compliqué à comprendre? Ils ont l'air de comprendre. Mais honnêtement, moi-même, je ne suis pas citadin et je n'apprécie pas particulièrement la vie dans une grande ville comme celle-ci. Trop de bruit, trop... Trop de gens. Ouais, trop de gens. Mais c'est intéressant dans un sens. Enfin, ça a ses avantages et ses inconvénients. Faut le vivre pour le comprendre, mais je préfère le calme d'un monastère où on peut apprendre et étudier plus tranquillement. Oh, moi, je trouve ça génial. On peut trouver des armes, pourtant, qui ne sont pas de Corvosa, sur Corvosa, des marchands itinérants qui passent tous les jours, enfin, des... vraiment un renouvellement de population, de mentalité, de... C'est incroyable. Et vous, mademoiselle, parce que je ne vais pas vous mentir, on voit rarement les gens avec des oreilles pointues. C'est vrai que moi, je viens de la forêt, et ça manque. Mais bon, comme je médite beaucoup, c'est le moment où je me replonge dans la forêt, les bruits des oiseaux, de la rivière. Ah oui, c'est vrai qu'ici, le bruit des oiseaux et de la rivière, ça doit vous manquer. Parce que nous, on voit un petit peu la forêt quand on s'approche des falaises. Mais c'est bien, bien en contrebas et on a du mal à imaginer à quoi ça ressemble. C'est le bruit des feuilles, c'est l'odeur de la verdure. Comment ils trouvent Elerina? Parce que pour les humains ou en ville, bon, les elfes, ils sont très beaux, elle est certainement très belle. Comment eux, ils la voient? Comme un légume. Non, c'est vrai qu'elle a... Elle a... Mais après, vous les voyez très, très pudiques d'ailleurs au sujet. Ils évitent de regarder les bras d'Elerina. Mais plus, pas par dégoût, hein, vraiment par pudeur et par respect, je pense. Mais par contre, oui, ils sont... Là, par contre, il manque un peu moins de pudeur quand ils regardent plus Elerina que vous, quoi, on va pas se mentir. Ils sont plus curieux. C'est la première fois qu'ils voient une femme comme ça, quoi. Ça aurait été un homme, ça aurait sûrement été pareil, mais bon, là, c'est Elerina, donc... C'est comme ça, quoi. Yes. Elle a des traits beaucoup plus fins, elle a des traits beaucoup plus
élancés que vous pouvez avoir, qu'il y avait des. Ah bah on est trois humains, oui, c'est bien. Il y aurait eu un orque dans l'équipe. Ah bah c'est clair. Hein. Bah, déjà, il n'y a plus terrain d'oule. Et sinon, ouais, tiens, ça c'est un truc que j'ai pas posé comme question. Les femmes de leur tribu, on en a vu? Oui, on en a vu. Oui, et c'est classique ou c'est plutôt des femmes guerrières? C'est plutôt des femmes fortes? Non, il y a de tout. Il y a de tout, ouais, ok. Il y a de tout. Il y avait quelques femmes qui se sont entraînées parmi les Tordos. Ouais, c'est pas c'est mixte quand même. Enfin, je veux dire, il y en a quelques-unes. Quoi. Okay. Ouais, c'est mixte, ouais. C'est pas la majorité, clairement. Ouais, ouais, c'est très loin d'être la majorité, mais il y en a quelques-unes. Ok. Et du coup, alors que vous êtes en train de discuter, tout va bien, tout ça, vous commencez à entendre à ressentir plutôt comme des tremblements au niveau de la dune, quoi, comme si la dune tremblait. Des bruits, enfin des tremblements, quoi, de. Ok. De suite, moi je me retourne vers les experts. Hein. Vous avez senti ça? Oui. Ça ressemble à des bulettes. Des bulettes? Des grosses créatures. De très grosses créatures. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elles sont hostiles? Elles sont en général hostiles et quand elles arrivent comme ça, c'est qu'elles ont faim. Est-ce le moyen de les esquiver? Faut-il monter sur la carcasse? Comment est-ce qu'elles ressentent notre présence? Ah, l'odeur. Ouais, oh non, Iki, on vous avait dit de vous laver. Bah, les chevaux doivent pas aider non plus. Non, là c'est Iki, ça se sent à trois vies. Je sais pas comment vous voulez vous préparer. Nous, on peut essayer de les prendre, on va dire, à revers, si vous voulez, et si vous pouvez encaisser le front, ou inversement. Oui, coup, moi je. Elle marche plus vite que nous. D'accord. Bah écoutez, on peut les combattre. Quelle est la meilleure position pour les combattre? Plutôt à découvert ou. Non, mais plutôt à découvert ou à côté de la carcasse? Qu'est-ce que. Je pense qu'à côté de la carcasse, ils auront peut-être plus de mal à se déplacer. Très bien. Et Lérina, n'hésitez pas à interposer la carcasse entre elle et vous. Je vais me positionner au front et attirer leur attention. Très bien. On s'occupera de les prendre à revers, du coup. Et vous les voyez s'écarter un peu plus. Ok. Bah, en attendant, je vais me buff un petit peu. Ouais. Je vous laisse un round pour vos buffs. Okay. Un round, ok. Donc un round, un buff. Ouais, voilà, c'est ça, un buff. Peau d'écorce. Le meilleur sort. Et ensuite, vous voyez cette créature apparaître. Yes. Et bien, du coup. Moi, je vais utiliser un petit point de ki pour passer invisible. Très bien. Très très bien. Moi je vais faire un chant d'inspiration vaillante sur tout le monde. Hop. Belle créature. Ouais. Des bulettes, ça s'appelle. Et je vous invite à lancer votre initiative. Du coup, tu as fait ouais, l'inspiration vaillante. Ouais. Hop. Allez, j'ai dégueulasse. 4. 6. 4. Heureusement que j'ai un bon bonus. Iki, 15, solide sur les appuis. Il me manque Elirina. C'est dommage. J'ai buffé et je vais devoir reclaquer une charge. Préférer jouer d'ailleurs. Ah bah je peux retarder mon tour, non? Tu peux retarder ton tour et jouer tout à la fin. Ah bah je pense que je vais faire ça. Ça m'évitera de claquer un buff. Hop. Ouais, je vais clairement faire ça.
Ah oui, mais ils sont énormes. Ils sont énormes. Eh ben, c'est parti, Iki, c'est à toi. Tu vois les grosses créatures commencer à émerger, tu vois le haut de leur le haut de leur corne, on va dire, enfin de leur museau, de leur tête commencer à dépasser de la dune. Et oui, effectivement, elles sont big big big, ces Ouais, créatures. elles sont vraiment impressionnantes. Je regarde au niveau des ossements, s'il y a des interstices, j'essaie de regarder, faut pas trop qu'elles me captent, et je regarde mes amis aventuriers se mouvoir autour de moi. Je vais les laisser engager, je vais suivre, essayer d'apporter du support un peu plus tard. Ok. Tu veux jouer En après qui? dernier. En dernier. Ok. Très bien. Kaito, c'est à toi. Écoute, moi je vais me déplacer sur le côté. Ah, tu es invisible, hein. Ouais, je suis invisible. Que comme ça. Hop. Attends, j'ai pas compté le nombre de cases que j'ai fait. Bah, enfin, quelque chose comme ça. Ouais, ça me va. Ouais, c'est une case en moins. C'est ok. Comment ça, c'est une case en moins? Bah, t'étais là, non? Ouais. J'ai Bah. botte de 7 lunes. Ah, c'est vrai que t'as les bottes, toi. Ouais, tu triches aussi, là. Ah, t'as même droit à une case en plus. Je t'ai vu. Ouais. Ça me va. Ça me paraît assez fluff. Du coup, tu fais juste te déplacer. Ouais, je fais juste me déplacer. Ok, Et super. je sprinte pas. En gros, j'attends un peu quand même de voir ce qu'elles font. Ah là, elles vont, vous les voyez courir, droit. Bah d'ailleurs, je pense qu'elles voient en premier dépasser la tête des Squanquas là-bas, des tueurs de d'os. Ils vont se déplacer dans ce sens-là. Hop là. Ah, ben elle va faire ça. Au moment où elle arrive là où elle a couru, hein, elle était en mode charge. Elle va bondir et faire un test d'acrobatie. Ils peuvent charger plus faire une attaque, c'est quand même. En fait, c'est au cours d'une charge, ces créatures peuvent bondir et atterrir à côté. Là, c'est réussi, c'est tout pile réussi. Yes. Et enchaîner avec des attaques, comme une charge classique en Ok, fait, sauf ok. que faire une attaque à outrance direct. Ok. Comment ils font? Ils se mouvoient sur le sable, ou ils sortent, ils plongent, comme ils nagent presque à la surface du sable, j'ai envie de dire, Non, ou... ils peuvent courir. Ils peuvent courir sur le sable. Ils ont des petites pattes très Comme des vélociraptors un comme peu. des vélociraptors un petit peu, ouais, c'est ça. Ils ont des petites pattes, D'accord. toutes petites pattes, et ils semblent du coup presque chasser le sable sous leurs pieds. C'est des très très imposantes créatures, mais elles ont un sens de l'équilibre apparemment très costaud, enfin, très 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 bien. Et du coup. Alors, heureusement, les jets sont nuls. Nul. Ouais, mais nul. Mais nul, nul, hein. Mais nul. Nul, Mais il y nul. en a encore deux, alors. Oh, oh le vin. Oh putain. Ouh, critique confirmée. Critique 23. confirmée, effectivement. Critique confirmée, donc ça fait 24 points de dégâts. Boum. Ça picote très Moi, sévère. j'ai envie de dire, ça claque, quoi. Ah, c'est un coup de griffe, hein. Ils ont mis 4 coups de griffe comme ça là. Tac, tac, tac. Tac, même, du coup. Et c'est à l'autre, Bullet, qui voit l'autre. Elle te voit pas, hein, Kaito, mais elle voit l'autre là-bas au fond. S'approchant.
Mais celle-là, elle ne va pas. Elle ne va pas bondir, parce qu'elle. Elle est moins à l'aise en voyant le squelette. Hop, lui, il va s'avancer et donner un coup de latte. Pendant qu'il donne le coup de latte. Et Lérina, c'est à toi. Et lancer boule de feu. Le coup de latte ne passe pas. Ça rebondit sur le dos, enfin sur le côté de la créature un petit peu trop armurée. Alors, la boule de feu là? On faisait comment pour le cibler les deux? Enfin, je sais pas si je peux lancer sur les deux. Vas-y, lance le sort. Voilà. Bordel, tout cédé. Fire. Alors, est-ce qu'il y en a le bon nombre? C'est ça que je veux voir. Ah voilà, ça danse deux fois, ça lance deux fois 10d6, donc C'est beaucoup. c'est beaucoup. C'est pas censé être 20d6, censé être 10d6. Il y a un problème dans la formule, il faudra que je corrige ça. Je me disais bien que quand j'ai vu autant de dés, j'ai fait. Ça fait beaucoup là, hein. Petit jet de réflexe, en tout cas, il faut qu'il réussisse 17. Le premier, c'est raté. Ah oui, il est bien raté lui. Et c'est bien raté. Et l'autre, c'est Ah. réussi. Donc, ce n'est pas 33. C'est, bon, on va dire la moitié, hein. Je vais la poire en deux, on va dire 16. Non, 17. Allez, 17. Ça va être sympa. Donc 10 pour celui-là et la moitié de 17 pour l'autre. Allez, on va arrondir, on va C'est dire quoi 9. les dés qui étaient pourris là pour faire 33 avec autant de dés? Ah, il y a eu des dés, il y a eu. Non, je crois que ça fait vraiment 33. Hein. Ça fait vraiment 33? Et ça veut dire que sur Ouais. les deux, elle a fait 33. Je crois. Elle a fait 33 et Bah, 33 en lançant 10 des 10d6. 6, ouais, c'est ça. 10 des 6, 33 et 33, ouais. Ah ouais? T'as vu? Ah, c'est marrant. Ouais, mais moi aussi, c'est pour ça que ça me semblait peu pour 20 des 6, 33. Enfin, il y a quand même un problème dans la façon dont c'est foutu. Mais ok. Donc du coup, bah, je rajoute. Oui, la logique, ce serait qu'une seule explosion qui inflige. Ah, mais c'est parce que ça en cible 2. Je Ouais, sens c'est cible ça. 2, mais Ouais, du faut coup, en ça lance deux cibler fois. qu'un. Mais Ouais, c'est pas les deux mêmes jets. ouais, Ouais, c'est non, ça. mais. Ouais, Bah, ok. ils reçoivent pas forcément les mêmes dégâts, ouais. Ouais. Oui, remarque, c'est rigolo. Ouais. C'est vrai que pour le coup. Ouais, Pourquoi juste un ça peu aurait, il décodé. subirait le même jet? Oui, Bon, en après, effet. c'est une boule de feu. C'est vrai, une boule de feu, elle est efficace ou elle est pas efficace. Bon. Ouais, en Ouais, effet. mais. Suivant comment elle touche un ou l'autre. Bon, Ouais, d'accord, lui aussi. C'est non, discutable. enfin. Non, on va rester sur l'idée que ça fait les mêmes dégâts et je vais corriger ça. Mais du coup, 33 et 17, c'est des bons dégâts. Oui. Ouais. Cela dit, ils ont pas l'air d'être spécialement. Ouais, plus que ça, quoi. Bon, ils encaissent bien, quoi. Ils ont pris des bons dégâts, mais ils encaissent, quoi. Pour le moment, ça va encore. Des sacs à pèves. Un petit peu, un petit peu. Hop, du coup, celui-là, par contre, il va bondir. Et toi, fais-moi un petit jet d'acrobatie. Oh la vache, mais attends, est-ce que j'étais. Ou de réflexe, ce que t'as de mieux, je sais pas. Oh, je pense que c'est acrobatie. Je regarde un réflexe, quand même. Réflexe, c'est Réflexe, ça où? doit être pas mal quand même. Réflexe, c'est sur la page principale, t'as plus 11. Plus 11 et acrobatie. T'as plus 14. 14. Acrobatie, hein. Ah,
Parce qu'en fait, lui, il te voit pas. Allez. Lui, il te voit pas et il veut sauter là où t'es. Ben ouais, mais là... Du coup, tu peux reculer jusqu'à deux cases derrière toi ou sur un côté, comme tu préfères. Ok. Je vais prendre un peu de hauteur, tiens. Je vais essayer de monter un peu sur la... Ouais, voilà. sur l'épine dorsale. Ouais, c'est okay. Ça. Ben lui, il est là. Il a fait son jet d'acrobatie et sa petite papatte, elle a ripé sur une des vertèbres du dragon, on va dire. Enfin, du squelette. Et du coup, il se casse la gueule. Okay. Et du coup, il tombe. Ah. Okay. Je me retiendrai. Il a raté son jet. Pas qu'il m'entende. Enzaru, c'est à toi. Pendant ce temps-là, l'autre, le guerrier, boit une potion. Bon, sinon, j'ai quand même une question. Parce que on l'oublie souvent, mais... Entrinia. Mais elle est où? Oui, mais je l'ai pas mis. En fait, j'ai mis sa grande image tout à l'heure sur l'écran. Ouais, moi, je l'ai gardé dans un coin, du coup, j'ai dit, il faut que je la garde. Ah non, mais t'as bien fait. Parce que là, j'ai dit, oh, mais... Bah, elle est à côté d'Elerina, de toute façon, on va dire. Ça me paraît fleuve, ça. Et elle va jouer juste avant Iki. N'oublie pas de mettre le petit buff vaillant. Ouais, ouais, ouais. Voilà, bah juste avant Iki. Elle a fait le dé qu'il fallait. Du coup, je disais, Enzaru, c'est à toi. Écoute, j'analyse la situation. Et j'en profite pour poser une question. Ont-ils... savez-vous s'ils ont un point faible? Oui, leur ventre. Mais... C'est bien ça le problème, c'est qu'il faut l'atteindre. D'accord, bien reçu. Et je bois mon mutagène de dextérité. Yes. Puis voilà. Je reste là où je suis. Je suis bien en dessous de la carapace. Très bien. Du coup, c'est Atrinia. Qui va. Alors. Il va s'approcher de toi, Enzaru. Il va te lancer un sort de grâce félie. Oh. Zazu full buff. Nice. Voilà, ça y est, il y a des oreilles de chat qui lui poussent sur le crâne. Miaou. Miaou. Qu'est-ce donc, Trinia? Qu'est-ce que vous me lancez comme sort? Un sort qui va augmenter votre dextérité, votre rapidité, votre... Un petit peu tout, quoi. Incroyable! Vous allez avoir l'agilité du chat. Vous vous souvenez quand on se courait après dans les toits? Tout à fait. Vous aviez une grâce féline, d'ailleurs. Ça vient de là. Superbe. Je suis pressé de tester ce sort en combat. Et c'est Taiki du coup de jeu. J'essaye de monter sur le squelette, prendre un peu de hauteur. Décidément. Il faut faire un jet particulier ou... Escalade, acrobatie. Non, c'est pas très compliqué. Il y a des prises assez. Très bien. C'est pas très, c'est pas trop obtus, hein. Donc. Ok. Bon, je vais me rapprocher. Je vais descendre sur la colonne vertébrale et je vais m'approcher de Kaito et je vais pointer du doigt l'ennemi qui est proche de Kaito. Ok. Donc sur cet ennemi, vous aurez un dégât d'attaque de plus, c'est ça? C'est ça. Ok. Tout le monde. Et je maintiens. Ouais. Tout le monde aura un dégain
Sur celui-ci, hein, on est d'accord? Ouais, sur celui-ci. Là, non, ouais. C'est ça, tout en bas à gauche. Ouais, celui-là. Okay. Et avec la chanson, ça fera plus de... Je maintiens la chanson. Voilà. Ok. Et alors, par contre, attends, je crois que ça me consomme pas d'action, je me souviens plus. Ennemi juré, je crois que ça s'appelle. Ah, de pointer du doigt? Ouais, je sais plus, ça me prend une action. Une action de mouvement. Voilà. Ça me prend une action de mouvement. Ouais. D'accord. Ok, donc j'ai bougé, ça va peut-être poser problème. Non, je m'en fous. Ça fait deux actions, ça me va. Ok, non, ça va. Bah, je maintiens mon champ. Yes, très bien. Ça, par contre, ça te coûte pas d'action. Ouais. Et puis bah, je vous propose qu'on continue ce combat la prochaine fois. Nice. Ça commence à faire tard. Hein. Ouais. On commence à trouver les ennemis du désert, hein, ça y est. Hein, ouais, ennemis, ça y est. Des grosses bestioles. Hein. Gros, hein. C'est la phase de Pex. Ah, il est temps, hein. Il est temps de taper du monstre un peu. Vous avez pris un niveau. Il faut essayer les nouvelles capacités. Quoi. C'est ça qui est rigolo. Hein. Et bah, parfait, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et des fesses de dinosaures à claquer. Nice. Yes. Salut à tous. Salut. Ciao. L'épisode est terminé. Il est l'heure de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et rajoute un pouce si tu as aimé la vidéo. Avec Twitch, viens nous voir en live. Sur Facebook, tu peux aimer notre page. Sur Twitter, suis. Tous les liens sont dans la description. Allez Minsk, on y va. Nous on a encore du gobelin à dérouiller.